Bonsoir! Ah, ça y est, vous l'avez déjà. Coucou! Alors, attendez. C'est mon premier live, j'en ai jamais fait. Du coup, j'espère que ça va aller. Ah non, ça, je peux pas le bouger. Ok. Alors. Ok, ça, je peux le mettre en grand. Super! Est-ce que vous entendez bien? Super. Bon, ça va? Vous n'avez pas trop chaud? Que là, je pense qu'il fait à peu près 35 degrés. Ouais, alors le son, c'est le micro. Alors là, ça, c'est, techniquement, c'est bon. Et j'ai mis ma caméra pour filmer, même si c'est pas, elle n'est pas optimale, mais bon, elle fonctionne bien. Et là, je suis peut-être un peu près. C'est pas grave. Voilà, comme ça. On va dire que c'est bon. Ouais, ici, il fait super chaud. J'ai rien fait de la journée tellement il fait chaud. Là, il fait, je sais même pas combien il fait de degrés. C'est. Ouais, le micro, il est bien. Techniquement, il est bien. Dans une vidéo, je vous disais que si je pouvais avoir ce son-là sur les vlogs et tout, je serais super contente. Mais bon, c'est pas. Il n'est pas transportable. Ah, à Paris, c'était la fournaise aujourd'hui. Il devait faire. Je crois que tout à l'heure on était à 33 degrés. Ah ouais, dans le nord, quand il fait chaud, il fait chaud. Mais bon, là, je crois que. Je pense qu'honnêtement, c'est partout. Hein. Ah, merci pour les vlogs. Bah, les vlogs, j'ai acheté le petit micro. Et je trouve qu'en fait, c'est pas mal. Alors, par contre, je risque de. Ah, je pense que le décalage, c'est plus la connexion. Pourtant, moi, de mon côté, je suis en fibre et je suis en Ethernet. Donc, ça devrait être bon, mais ça reste du direct. Ouais, donc pour les vlogs, j'ai acheté le petit micro juste parce que. Bon, je trouvais ça plus pratique, en fait. Enfin, dans une vidéo, le plus important, c'est pas l'image, c'est vraiment le son. Ah, pourtant, je pense qu'en Tunisie, il doit quand même faire pas mal chaud, hein. En tout cas, plus souvent que nous. Nous, on n'a pas l'habitude, justement. Bon, par contre, je risque de pas trop vous regarder parce que vos messages, ils sont plus bas pour moi. Il n'y a plus d'activité. Je vois plus rien. Ah si. Après, honnêtement, là, je passe pas directement par YouTube. Je passe par un autre logiciel, mais du coup, comme c'est la première fois, j'avoue que je suis novice. Merci, la blouse, c'est Jolene. Et j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du ventilateur, je l'ai mis au minimum, mais là, on a besoin d'air, n'est-ce pas? Et sinon, ça s'est bien passé votre rentrée? Parce que je pense que pour beaucoup, ça a été la rentrée scolaire. Enfin, pas la vôtre, mais celle des enfants. Ah bah super, on se rejoint comme ça. Alors, je ne sais pas si je vois un décalage au niveau des commentaires ou si je les vois bien en temps et en heure. Ouais, clairement, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment vraiment quand il fait super chaud. Je pense que la plupart des gens, ils aiment quand il fait bon, quand il y a du soleil, mais pas quand c'est du temps caniculaire. Ah mais ouais, là, de toute façon, clairement, je pense que c'est partout, partout. Ah, mais bah, Poli, c'est clairement le temps idéal, là. Ah bah, moi, je suis comme ça aussi. Moi, j'aime les demi-saisons. Parce que je trouve que c'est quand même.
C'est pas les extrêmes, quoi. Alors, c'est vrai que du coup, moi, je suis en train de me dire que je réponds à ce que je vois, mais je ne lis pas forcément à voix haute ce que je vois, mais je pense que pour tout le monde, ça va, c'est OK. Bon, je me dis peut-être que le replay, ils comprendront. Ça sera incompréhensible. Mais bon. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez qu'on parle de sujets en particulier. Je vous avouerai que j'ai vraiment jamais fait de live, donc pour l'instant, je sais pas quoi dire. Bah, après, une fois que je commencerai à parler, c'est bon. Bah, justement, je ne sais pas quel est le programme de ce soir. Alors, dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle. Honnêtement, vraiment, j'ai vraiment rien prévu. Je me suis dit, tiens, je vais faire un live, j'en ai jamais fait, pourquoi pas. Mais c'est vrai que. Ah, le prochain patron. En fait, j'en ai plusieurs en cours. Donc, je ne sais pas lequel sortira en premier. Là, ce que vous m'avez vu découpé dans les vlogs, c'est Farah. Donc, Farah, c'est un ancien patron que je suis en train de réhabiliter, et surtout en fait Farah fera partie de la formation. Enfin, il va servir comme support dans la formation buste de base, parce que la formation buste de base, je veux qu'on s'arrête pas juste au buste de base, mais qu'on fasse aussi ben un patron réellement, pour qu'on voit comment d'un buste de base on passe à un patron. Oui, on peut faire de la viscose, enfin on peut faire Fergus en viscose, pas de souci. Merci. Alors, ben, Marty va bien, hein, Marty? Vous le verrez pas, mais il est à côté. Et Mango va bien aussi. Ils meurent de chaud, je pense, tous les deux, mais ça va. Alors là, Valentin, tout ce qui est formation, je vais attendre un petit peu pour la simple et bonne raison que ça y est, j'ai craqué, hein. Donc j'ai. Informatiquement, ça va changer là dans quelques jours. Par défaut, je dirais que tout est. Je vais essayer de lire parce que sinon le replay, on comprendra rien. Fergus, est-ce que c'est possible dans un tissu élastique? J'ai envie de dire oui et non. Par défaut, on peut toujours mettre un peu d'élasticité, mais le patron n'est pas prévu pour. Donc éventuellement, il faudra voir pour réduire un peu. Ouais, nouvel ordi, je viens d'avoir un nouvel ordi. Alors j'ai craqué mon slip, hein, mais ça devrait être bien. Et je suis pas du tout partie sur un montage, finalement. Mais bon, tant que je l'ai pas. Je veux pas me porter la poisse. Mais techniquement, ça devrait être mieux. Par contre, je suis restée sur quelque chose de mobile. Et sinon, ouais, niveau patron, en ce moment, je travaille sur un pantalon, une jupe et une blouse. La blouse, enfin un chemisier. Le chemisier, vous le voyez quasiment dans tous les vlogs, sans faire attention, parce qu'en fait, ça fait 3 mois qu'il est sur mon mannequin. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Ah mince, pour la surjeteuse. Ça, c'est ma hantise d'avoir surjeteuse ou machine à coudre qui lâche. Bon, j'ai toujours mon ancienne machine à coudre. Personnellement, je m'en suis jamais débarrassée, justement en me disant que si il arrive quoi que ce soit, au moins j'ai une deuxième, au moins j'ai une deuxième machine de secours. Oui, les patrons, est-ce que je vais les sortir un à la fois? Oui, je vais les sortir un à la fois. Non, la jupe, elle sera pas dans le biais.
Oui, si, c'est le projet qui est sur le mannequin depuis le début des vlogs, il n'a pas bougé, parce que c'est un en cours. C'est un prototype non validé, pour l'instant. Puis au niveau l'aspect collection, je trouve aussi c'est. Moi, ça me correspond pas en fait, parce que j'ai besoin de faire projet par projet. Et en fait, si je me lance dans une collection, c'est beaucoup trop long à sortir. Et en fait, moi, je me lasse en cours de route. Donc j'ai besoin que ce soit. C'est plus facile pour moi si c'est un patron par patron. Ça me permet de vraiment me focaliser sur un patron. Alors, je vais répondre à ça. Alors moi, je t'ai connue car recommandée par des copines parce que paraît-il que tes patrons sont parfaits. Alors non, mes patrons sont pas parfaits, mais du coup, je ne sais pas trop ce que tu proposes. Je veux bien un récap. Alors moi, j'ai une particularité depuis que j'ai lancé les patrons, c'est que je fais trois statures. Je pense que je suis la seule à le faire. En tout cas, en France, je suis la seule à le faire. Mais c'est parce que de base, moi je mesure 1,73 m, donc c'est parti de là à la base quand même. Et là, ces derniers mois, j'ai créé ma. Enfin, sur les 4 dernières années, j'ai créé ma propre méthode de patronage. Et là, depuis l'année dernière, en fait, je réhabilite tous mes patrons pour avoir un système de patronage qui soit évolutif. En gros, mon 38, c'est un 38. Et le 46, c'est un 46. J'entends par là que le 46, c'est pas un grand 38. Parce que généralement, la gradation, c'est ça, c'est de prendre un patron et l'étirer, 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 jusqu'à la taille de votre choix. Les trois statures, c'est génial. Alors honnêtement, les statures, c'est vraiment le truc où il y a des jours, je me dis, mais quelle idée à la con! C'est vraiment. Parce que ça me demande vraiment beaucoup plus de travail, de mise en page, de vigilance, etc. Mais d'un autre côté, comme c'est apprécié, je me dis que je le fais vraiment pas pour rien. Donc je suis contente que ce soit apprécié. Merci, merci, merci. Et puis il y a aussi le côté, moi je mesure 1,73 m, alors je suis pas particulièrement géante, je suis plutôt grande mais je suis pas géante. Alors, je veux dire, justement dans le nord de la France, il y a beaucoup de grands, et moi j'ai souvent eu des problèmes d'avoir les manches trop courtes, les pantalons faits au plancher, etc. Et je me suis toujours dit qu'il y a encore des femmes encore plus grandes que moi, et il y a aussi à l'inverse, celles qui sont beaucoup plus petites que moi. Et finalement, on peut vite se retrouver avec 20 cm de différence entre deux personnes, et c'est énorme en fait. Ah tu nous diras, Audrey, ce que t'en penses. Ah, merci beaucoup. Les grandes tailles, honnêtement, mon tout premier essai, quand j'ai fait mon tout premier test, donc le tout premier patron. C'était une catastrophe. Mais vraiment, c'était une catastrophe, ça n'allait pas, etc. Mais. Et en fait, je trouvais ça important de. Ça, j'en avais parlé dans la vidéo bilan, c'est que les grandes tailles, il ne faut pas juste vouloir faire des grandes tailles, je pense qu'il faut bien le faire. Ça sert à rien de proposer des tailles 50, 52 et plus si c'est pas du tout adapté en fait. Oh, attendez, ça va vite pour moi, ça va vite, ça va vite, ça va vite! Alors, comment j'imagine la formation? Alors, la formation, ça va être uniquement dédié au buste de base, parce qu'en gros, ça va être comment faire le buste de base, mais avec Valentina. C'est assez spécifique à Valentina, le logiciel, donc, parce que justement, je fais beaucoup de calculs. En gros, ma méthode de patronage, c'est de dire à Valentina, au logiciel, quand j'ai un tour de poitrine de autant, alors ma pince poitrine, elle fait autant. Et ça va, la pince poitrine, elle va être par exemple de plus en plus grande en fonction
de la taille. Donc l'avantage en fait de ce système, c'est qu'on peut faire du multi-taille. D'ailleurs, le fichier de taille sera fourni avec, mais on peut aussi mettre ses propres mensurations. Et du coup, on peut coudre pour soi, pour sa mère, sa sœur, sa tante, qui vous voulez. En fait, le patronage, il va automatiquement s'adapter aux mensurations qu'on lui donnera. Et après, du coup, donc ce sera vraiment axé Valentina plus buste de base. Et il y aura une grosse seconde partie où on fera un patron ensemble pour voir comment on passe du buste de base à un patron. Voilà, tout simplement. Alors, j'en suis où? C'est vrai que ça fait qu'on a besoin de réfléchir pour savoir combien de centimètres. Ouais, bah les statures, si c'est apprécié pour avoir moins de retouches, c'est chouette. Je suis contente de ça. Non, alors les versions projecteurs, je l'ai fait. Et honnêtement, je me suis dit que comme je propose des A0 avec calque, qui en plus, au passage, peuvent s'ouvrir facilement sur Illustrator. J'ai abandonné les... Ah ! Vous me voyez toujours ? Bon, j'espère qu'on me voit encore, parce que ma caméra vient de faire des bruits bizarres. attendez, j'en étais où ? Je suis en train de me perdre. Oui, donc, version projecteur... Non, du coup, j'ai arrêté, parce que... Franchement, je trouve que ça me demande trop de travail pour un public qui est trop restreint aujourd'hui. Et comme vraiment, je me dis que les personnes qui font du projecteur, elles bidouillent quand même un petit peu l'informatique, donc le fait qu'elles aient un A0 avec des calques, c'est déjà suffisant. Mais déjà, franchement, avec les trois statures, je m'en sortais plus, j'avais trop de fichiers. Après, ne jamais dire jamais, ça reviendra peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas à l'ordre du jour. Alors attendez, j'essaye de retrouver où j'étais. J'ai la chance. Ah bah salut Julie. Julie, ma petite ambassadrice. Moi aussi je fais les pinces poitrines, c'est un truc. Enfin, je trouve que honnêtement, les pinces poitrines, c'est un vrai sujet en couture. Parce que quand on regarde sur Instagram, on voit quand même beaucoup de patrons où les pinces poitrines, elles arrivent ici. Enfin, allez, vous me verrez pas, là. Je sais pas si on me voit bien. Si, on me voit. Je suis bête. Les pinces poitrines, elles arrivent genre ici. Et c'est... Enfin, au bout d'un moment, c'est pas des pinces menton, quoi. Mais bref. Tchac. Alors comment j'ai fait pour les mesures grande taille? Alors je l'ai expliqué dans des articles de blog, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée sur alors déjà des appels à testeuses où tout le monde avait mis ses mesures. Ça m'a permis de vérifier que j'étais dans le bon chemin ou pas. Et il y a aussi il y a une tendance sur Instagram où tous les gens mettent leur mensuration. Donc ils mettent le principal, c'est-à-dire poitrine, taille et hanche. Et ça m'a permis de faire mes groupements. En fait, de me dire, voilà, plus ou moins, quand on fait un 44-46, ben, l'évolution, elle est autant, etc. Donc oui, je suis quand même partie de mesures. En fait, je suis partie des mesures standards et des mesures que j'ai pu trouver dans la communauté couture, en fait. Parce que je me dis que finalement, je m'en fiche d'aller chercher les mensurations des gens qui ne font pas de couture, par exemple. Ouais, carrément. D'ailleurs, c'est comme ça que je me sers pour... quand je fais mes impressions avec la Cricut. En fait, mes PDF, comme je les édite avec Illustrator, ils s'ouvrent dans Illustrator. Et depuis Illustrator, on peut vraiment sélectionner pièce par pièce, retirer les calques, faire sauter les calques qui ne nous intéressent pas, etc. Ah, les calques, c'est pratique, ouais. Et c'est vraiment... Enfin, les calques, on s'en fait une montagne, mais en fait, les calques, c'est juste... Faut juste payer le logiciel, en fait. Enfin, la suite Adobe, il y a Illustrator, et en fait, Illustrator, c'est une fonction automatique. Généralement, quand il n'y a pas de calque sur des patrons, c'est un problème de logiciel, en fait. Euh...
Alors, date de sortie, honnêtement, j'en sais rien du tout. C'est. Date de sortie, je ne sais pas. Est-ce que Valentina fonctionne uniquement sur ordinateur? Bah écoutez, avec l'achat que je viens de faire, je peux vous dire que a priori ça fonctionne sur Mac. Voilà. Est-ce que je travaille toute seule? Oui, absolument. Et je le vis très bien. Parce que j'ai beaucoup de mal à travailler à plusieurs. Alors je vois Bérangère avec un A. Est-ce que Couture et Paillettes est là? Oui, salut Bérangère! Ouais, c'est ça, exactement. On a l'impression d'avoir les seins qui tombent. Le truc, en fait, c'est que moi, il y a un truc qui m'a beaucoup énervé en couture, etc. C'est de me dire que, en fait, au final, le standard, il est tellement mal pensé et on le remet tellement pas en cause qu'au final, on se dit, ah, mais c'est moi qui suis mal foutu. Alors qu'en fait, quand 9 personnes sur 10, ça tombe mal. Bah, c'est pas qu'elles sont mal foutues, c'est que le standard est mal foutu. Et il y a une grosse, à mon sens, il y a une grosse différence là-dessus. Enfin, je veux dire, on voit, enfin, quand je vois des fois des patrons où la pince poitrine, elle est à la même hauteur sur un 36 et un 56, c'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Je pense que personne, enfin, la poitrine, au bout d'un moment, elle pèse son poids et la gravité, elle fait son effet, hein. On va parler des toilettes de Bérangère. Tire ta chasse, Bérangère. Et sinon, ouais, vraiment, niveau sortie, j'ai explosé déjà mon planning. Bah après, la grande taille, il faut dire aussi que c'est très peu abordé, voire pas du tout, dans les manuels de patronage. Donc je pense que ça demande beaucoup, pour beaucoup de créatrices, ou en tout cas qui débutent, etc., ça demande trop d'investissement, de temps en termes de formation, etc. Après, c'est une question, j'ai envie de dire, dans la vie, c'est une question d'offre et de demande, hein. Demander aux créatrices de patrons américains si elles envisagent de ne pas faire les grandes tailles, c'est impossible. Parce qu'aux États-Unis, vous pouvez pas ne... aux États-Unis, on peut pas exclure les grandes tailles. Alors Vanessa, je sais que tu aimes la maille. Est-ce que je prévois de faire des nouveaux patrons en maille? Moi, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Mais il faudrait que j'en refasse. C'est vrai que là, j'ai fait deux patrons en maille. Déjà, je suis contente de enfin retravailler sur de la nouveauté et non plus sur des rééditions. Alors, il y a quand même des rééditions en cours. Comme elles sont pas visibles sur le site, les personnes qui ne me connaissent pas depuis longtemps, pour vous, ça sera comme des nouveautés parce que vous n'aurez pas en tête les patrons. C'est la suite de la collection Outlander. Pour celles qui se souviennent, si elles étaient là il y a quelques années, c'est quand j'avais pris mes 15 kilos. C'est pour ça que les patrons sont pas disponibles. Hors de question que je remette des photos de moi. Elles étaient horribles, les photos. Ça se voyait que j'étais déphasée. Bonsoir, la banquière. Par rapport à quoi? Bon là, apparemment, il n'y a plus trop de blabla. J'espère que c'est pas un bug du chat. Ok. C'est un running gag. Ok, moi je savais pas que t'étais banquière, Vanessa.
Après, la grande taille, c'est pas sorcier. Si tu as une grille de mensuration, avec les bases modélisées, tu travailles pour préparer les bases selon les mesures. Alors, oui et non. C'est-à-dire que le buste de base, il est vraiment... Si vous prenez des livres genre DP Studio, Jilevska, S-Mode, etc., c'est vraiment, vraiment, vraiment pensé pour du 38. C'est-à-dire que... Par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, votre buste devant, il est toujours plus grand que votre buste dos. C'est normal, c'est parce qu'on intègre le ventre, la poitrine. Sauf que plus on monte en taille, et d'ailleurs on parle souvent des grandes tailles, mais en fait déjà à partir du 44, 42 même, ça va pas trop. Donc au-delà des mensurations, il y a aussi la proportion qu'on donne à la pince, la proportion qu'on donne au devant, au dos, etc. Et tout ça, on peut le faire évoluer. Par contre, oui, le côté un peu dramatique de « Ah, les grandes tailles, c'est tellement compliqué !» Ça, personnellement, je trouve ça insupportable. Mais bon. Alors, les grandes tailles... Oui, alors de toute façon, dans la formation, honnêtement... alors, je préfère le dire tout de suite, la formation, elle sera quand même... ça va pas être 50 euros, quoi. Vraiment pas. Parce que c'est quand même 4 ans de travail. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais fournir tous les fichiers. Donc il y aura le fichier de taille, le buste de base, le fichier fini. Comme ça, il n'y a même pas de possibilité de vous tromper à la construction sur Valentina. Et donc vous aurez toutes mes formules. En gros, je vais me prendre pour Nutella qui donnerait sa recette à tous ses concurrents. C'est d'ailleurs, c'est le point, c'est entre guillemets le point qui m'a énormément fait hésiter ces derniers mois à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. C'est l'aspect, ben pour l'instant, je suis la seule à patronner comme ça. Donc oui, je fais super bien la drama queen. je me suis merde, j'ai oublié ce que je disais. Attendez. Bah je sais plus ce que j'étais en train de dire, alors ça va revenir. Ça va revenir. Ou pas. En fait, parce que ça me fait penser le côté drama queen, mais en fait, si vous faites attention à la fin des vlogs, la petite musique, ça commence par... elle dit « Mais fuck, je suis trop une drama queen » et ça me fait trop rire. Bah, je pense ça par contre, oui. Je pense que disons que ça n'intéresse pas d'habiller les femmes obèses et que c'est un problème pour beaucoup. Je pense honnêtement que oui. Il y a aussi, je pense, des personnes qui n'ont pas envie tout simplement de s'embêter à. Après, je pense aussi, il y en a souvent qui mettent en avant le fait qu'il y a moins de clientèle. Moi, je me rends compte depuis que j'ai. Parce que maintenant, je propose. Je propose d'acheter soit toutes les tailles, soit on s'arrête au 46, ou soit on fait du 46 au... Non, 44 oh, je sais plus. 44 au 58. Et en fait, je me rends compte que mes ventes, elles sont homogènes. C'est-à-dire que j'ai pas plus de l'un ou de l'autre. Donc finalement, si l'aspect... est-ce qu'il y a une demande derrière? Oui, il y a une demande derrière. Mais je pense que la demande, elle vient aussi du fait que si on fait bien les choses, après, il y a le bouche à oreille qui fait « Ben, c'est bon, elle, tu peux y aller ». Son 50, c'est un bon 50. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, oui, alors... Oui, et c'est vrai, ouais, en fait, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça que je disais juste avant. Mon point d'interrogation, c'était de me dire que comme je suis la seule à faire cette méthode-là, forcément, j'avais un peu la peur de me dire que si je fais une formation là-dessus, ben je perds un peu mon avantage. Après, cela dit, honnêtement, je me dis que si, grâce à cette formation, il y a par exemple d'autres créatrices qui ont les idées, mais qui n'ont pas la méthode, et que ça peut permettre à d'autres personnes de développer une bonne méthode, et ben écoutez, tant mieux en fait. Enfin, moi, je suis partisane de... C'est bien qu'on ait du choix en termes de patron, mais si on pouvait avoir des choix égaux, c'est-à-dire des qualités de patronage égales, ce serait chouette aussi, en fait, surtout.
que toutes les marques drama queen. Alors pour l'anecdote, quand j'avais posté ma vidéo bilan où je disais que c'était facile de patronner les grandes tailles, alors j'ai reçu un appel. Et on m'a dit, oui, mais tu devrais pas dire ça, tu te rends compte, moi je galère et tout. Et en fait, je disais, bah, au bout d'un moment, j'ai bossé assez dur là-dessus pour dire que maintenant, si je trouve ça facile, ben, c'est que je trouve ça facile. Je vais pas m'inventer une vie à me dire que hein, c'est tellement dur ce que je fais, alors que je trouve pas que ce soit tellement dur ce que je fais. Et tant pis, même si tant pis, ça peut faire par exemple un peu la fille ultra pédante qui se dit oui, ben pour moi c'est facile. Alors que non, c'est juste que c'est devenu facile parce que ben, j'ai travaillé dessus en fait. Enfin, j'en ai passé du temps à. Pendant que d'autres créatrices, par exemple, s'amusaient à faire. Enfin, s'amuser, non, non, je retire le mot s'amuser. Mais pendant que d'autres créatrices, par exemple, s'occupaient de leur marketing, etc., ben moi j'étais en sous-marin en train de développer une méthode. Et en fait, chacun utilise son temps comme il le veut. Ça m'a porté préjudice sur certaines choses. Voilà, on prend les paris. Après la formation, on va tout lancer notre marque de patron. Mais allez-y, hein, franchement, s'il y a des gens qui veulent se lancer derrière, mais faites-le. Je trouve que ce n'est pas drama de t'interroger sur l'opportunité de vendre des formules magiques à une concurrence potentiellement peu éthique. Ouais, bah après, de toute façon, on verra. De toute façon, le patron, le buste de base ne pourra pas être exploité en tant que tel. Les gens ne pourront commercialiser que le patron fini. Puis si ça se trouve, je vais me rendre compte que moi, ce que je préfère dans la vie, c'est enseigner, en fait. Peut-être. Mais à distance, pas en physique. J'ai vu un reportage à propos d'une Américaine venue s'installer dans le sud de la France et elle propose des créations grande taille. Ben, les Américaines. Franchement, tout est dit. Les Américains, c'est impensable aux États-Unis de ne pas faire de la grande taille. Et nous, en France, là, moi je m'arrête aux 58, aux États-Unis, ça poserait problème. Excellente série Outlander, absolument. J'ai adoré la première partie de la saison 7, là. Bah écoutez, super projet, merci. On verra ce que ça donne, hein. Et d'ailleurs, franchement, en parlant de merci, la formation jupe, pas tout de suite. Bah, la formation, écoutez, je vais attendre de la finir pour vraiment communiquer vraiment dessus. Parce que là, si, enfin, moi, j'ai le plan dans la tête, mais j'ai pas encore tout tourné, tout ça, donc pour l'instant, c'est vague. Et je voudrais pas qu'on pense que c'est confus alors que ça le sera pas, c'est juste que pour l'instant c'est pas encore d'actualité. Mais j'expliquerai tout ça en détail le mouvement venu, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans les merci, franchement, mais alors l'accueil des vlogs, je m'attendais pas à ça. Hein. Donc merci beaucoup. Parce que c'est grave cool en fait de lire. Je sais que je réponds pas beaucoup. Je suis noyée en fait, mais. Mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous mettez beaucoup de commentaires et j'avoue que je lis tout. Et j'aime bien, c'est très pertinent et tout, donc c'est super. Alors la formation, est-ce qu'elle sera possible si on ne connaît pas Valentina? Alors bah du coup j'expliquerai comment utiliser Valentina. Mais il faut savoir quand même que la formation reposera sur Valentina. C'est-à-dire que pour de la taille individuelle, on pourra faire tous les calculs à la main sur papier. Mais pour une personne qui souhaite par exemple développer le multitaille, à la main, faudra oublier. Et ça me fait rire parce qu'il y a la méthode DP Studio. Moi, je pourrais faire la méthode DS Studio. Pour ne pas embrouiller les gens. Après, objectivement, j'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. C'est juste. C'est vraiment. Des calculs, tout ça. Après, vraiment, moi j'ai eu un avantage énorme, c'est qu'à Paris, on a une bibliothèque spécialisée dans les métiers d'art.
Et du coup, en fait, j'ai pu avoir accès à quasiment toutes les méthodes de patronage disponibles. Donc ça m'a permis de comparer les méthodes, de me dire, bah, tiens, pourquoi là c'est différent, etc. Et puis de me poser toutes les questions nécessaires. Ah ben, de toute façon, il y a beaucoup de femmes qui, comme moi, ont un certain âge et les morphologies changent. De toute façon, ça, clairement, pour ça que le côté patron parfait, ça n'existe pas, à part le patron sur mesure. Parce que de toute façon, un 38 à 20 ans, c'est pas le même 38 qu'à 16 ans, qu'à 50 ans, qu'à 70 ans, etc. C'est pas le même 38 selon s'il y a eu des enfants, pas d'enfants. Il y a beaucoup trop de facteurs dans le corps humain qui font que le corps, il change, le corps change énormément. Je suis d'accord avec le papa, la connaissance ne vaut que si on la partage. Mais il faut pas non plus tomber dans le... Comment dire? Faut pas être l'abbé Pierre, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas tout partager uniquement pour la beauté du geste. Sur ta chaîne, il y a la méthode. Quelle méthode? Sur ma chaîne, il y a un tutoriel pour prendre en main Valentina, mais c'est pas du tout ma méthode de patronage. C'était un tuto que j'avais trouvé gratuitement sur Internet. Je pense aussi que le tout gratuit n'est bon pour personne. D'ailleurs, je le vois par rapport au logiciel Valentina. Le logiciel est totalement gratuit, open source, parce que c'est dans la volonté en fait du créateur de rester gratuit et 100%. Moi personnellement, je trouve ça problématique parce que ça lui enlève des fonds de développement, etc. Et en fait, on serait gagnant à payer un petit peu. Mais bref. Mais non, je confirme que sur ma chaîne, le tuto que vous allez trouver, c'est spécifique à Valentina, mais c'est pas du tout ma méthode de patronage. Pas du tout, du tout, du tout. C'était la méthode. Je ne sais plus, mais dans la vidéo, je donne le site et je dis même que j'utilise la méthode Gilevska. Donc vraiment, ça date. Ça date. Mais on a tous commencé quelque part. Il vend la formation 99 euros. Qui vend la formation 99 euros? Ouais, enfin, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais il a fallu penser à collecter des données et les comparer. Alors, le truc, c'est que pour moi, c'est tellement basique d'avoir ce comportement-là que ça me paraît pas énorme en fait. Enfin, je fais ça pour tout. Genre, là, je vous ai dit, je viens de commander un ordinateur. À la base, je m'étais dit, j'allais monter l'ordinateur. Il y a encore 3 jours, je ne savais pas comment choisir son processeur, je ne connaissais pas les systèmes de refroidissement. Là, je peux vous dire exactement comment faire une config d'ordinateur, etc. Je me suis renseignée. C'est pour ça que j'ai fait nuit blanche. Hein. C'est parce que j'ai regardé des vidéos. Ah, quel système de refroidissement choisir pour son ordinateur? Quelle alimentation choisir pour son ordinateur? Et au final, je vais passer sur Mac. Donc rien à voir. Ah, le manuel de Valentina, il coûte 20 euros. Parce que je vois Julie qui précise, c'est pas une formation, mais un manuel. Par contre, il me semble qu'il y a peut-être des formations en cours. Ah non, moi, alors, est-ce que j'ai une formation scientifique? Non, moi quand j'étais au lycée, alors je suis partie en S, parce que quand j'étais en seconde, en fait, j'avais beaucoup de facilité dans les matières scientifiques, donc on m'a dit, toi, tu t'iras en S. Moi j'aimais bien la biologie, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus, c'est la biologie. Et sauf que... Bon, alors je vais pas dire ça pour faire pleurer dans les chaumières, mais bon, sinon vous comprendrez pas. Quand j'étais en seconde,
J'ai mon papa qui est décédé et quand je suis arrivée en première S, bah j'ai vrillé en fait. J'ai complètement vrillé, rejet de l'autorité, rejet de tout et j'aimais pas du tout la mentalité en scientifique. Donc en fait j'ai fait une première S mais j'ai redoublé pour partir en ES. Voilà, donc au final. Mais j'aurais adoré être scientifique. Quand j'étais plus jeune, je voulais être ethnologue, zoologue. Tous les trucs où il faut analyser, en fait. Alors, lequel j'ai commandé? Je me suis pris un MacBook Pro M1 Max. Donc les ordinateurs qui sont sortis il y a 2 ans, c'est un reconditionné, mais du coup c'est le haut de gamme de l'ancienne génération, avant la puce M2. Et c'est les puces M qui m'ont donné envie de tester Mac. Et ça fait plusieurs années que je me dis que j'aimerais bien essayer quand même. Donc écoutez, ben on va tester, hein. Au pire, je pourrais toujours le revendre si j'aime pas. Ensuite, j'ai monté un ordi, c'est du mécano, et il y a des tutos. Ben, clairement, alors. C'est le seul truc qui me chagrine, c'est que moi je m'étais ambiancée, je m'étais dit, ah ça y est, je vais monter un ordinateur et tout, je vais faire une vidéo, comme ça les gens ils verront que c'est pas compliqué, parce que vraiment c'est juste. En fait, en plus il y a ce qu'on appelle beaucoup de choses, c'est indétrompable, donc en fait on peut juste pas se tromper. Faut juste s'intéresser un minimum aux composants et surtout se poser la question des besoins qu'on a. Est-ce que Valentina est un logiciel de patronage? Oui, c'est un logiciel de patronage 100% gratuit. J'ai cherché plusieurs fois à changer, notamment pour passer sur des logiciels payants, mais je ne trouve pas de logiciel qui fonctionne comme Valentina. C'est-à-dire que Valentina, c'est très mathématique comme fonctionnement, et c'est ce qui permet d'avoir une gradation qui n'est pas linéaire. Et du coup, moi, je trouve ça génial. Bah justement, moi qui monte tout à l'envers, justement, il n'y a qu'un seul sens possible. Je dirais limite, par exemple, que mettre une canette dans son boîtier à canettes, il y a plus de chances de se tromper que de mettre une barrette de RAM dans un ordinateur. Parce qu'une barrette de RAM, on ne peut vraiment pas se tromper. Il n'y a qu'un sens. Il n'y a qu'un seul sens. Ah, désolée Céline, je suis larguée, je comprends rien. Après, on peut changer de sujet, hein, si vous voulez. Tu vas faire quoi, version pantalon ou version short, Vanessa? Truc de dingue, vous êtes plus de 100? Vous êtes 100 personnes là? Je le vois en temps direct ça ou c'est pas du tout d'actualité? Mon changement d'alimentation, bah, là les 3-4 jours passés à chercher des informations sur les ordinateurs fait que j'ai à moitié bien tenu. Après, c'est pas un changement d'alimentation pour moi, hein. C'est un truc que je fais depuis 2001. De 2001, non, 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 n'importe quoi, 2021. Alors, est-ce que j'ai une formation en informatique? Pas du tout, mais j'ai toujours adoré ça. J'ai voulu, il y a quelques années, j'ai voulu être. Comment on appelle ça? Je voulais être développeuse, enfin pas développeuse application, tout ça. Je voulais faire du développement web. Et en fait, il y a aussi beaucoup, dans la vie, j'aime pas dépendre des autres. Donc, ben, dès qu'un sujet, par exemple, le codage informatique, les langages informatiques pour co coder des sites internet, etc.
Bah, je trouve ça utile parce que j'ai un site internet et que j'ai pas envie, quand j'ai un problème, de devoir reposer entièrement sur un SAV. Des fois, il y a des problèmes, c'est des petites broutilles. Et en fait, le fait d'avoir des connaissances fait qu'on sait où chercher. Donc ça aide. Mais après, le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un, dès que j'ai un sujet en tête, bah, je suis complètement omnibulée par ça et j'oublie tout le reste. J'oublie de manger, j'oublie de dormir. Je fais plus rien. À part me focaliser là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et c'est un gros problème, hein. Honnêtement, c'est problématique. Oh, mais il y a toutes les youtubeuses que je suis sur ce live, c'est top. Oui, je crois qu'on va faire un gang. Ah bah, malgré la canicule, en pantalon, soit en jean, soit en lin viscose. De toute façon, objectivement, la canicule, elle va quand même pas durer. On reste quand même au mois de septembre. On espère que ça va se calmer. Pour les vlogs, j'en loupe pas. Un grand merci. Ben, merci beaucoup, parce que franchement, moi, ça m'amuse. Et en fait, je voulais tellement sortir de cette image hyper lisse de la couture où c'est cucu les petits oiseaux. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un très romantique, très fleurbeux. Et je trouvais ça chouette de montrer autre chose de l'univers couture. Enfin, en tout cas, des gens qui pratiquent la couture. Es-tu auto-entrepreneur? Oui, absolument. Quand on est tout seul, honnêtement, et surtout comme moi, où les produits sont numériques, c'est plus intéressant, je pense. Bah, les chats vont toujours bien. Là, c'est l'heure de la sieste. Je ne veux pas les déranger. Ils sont à côté. Ça pionce. Je pense qu'ils ont eu très chaud aujourd'hui. Ah, d'ailleurs, au niveau des vlogs, donc demain, il n'y en a pas, parce qu'aujourd'hui, j'étais HS avec les températures. J'avoue que là aussi, de savoir que j'ai un ordinateur qui va arriver, ben, du coup, j'ai pas envie de filmer, parce que du coup, j'ai plus envie de monter avec cet ordinateur-là. C'est vraiment, quand je vous dis que je suis têtue, c'est ça. Donc, après-demain, parce que demain, je vais filmer. Au revoir! Mais je pense changer l'horaire. Je pense que je vais mettre ça un peu plus tard dans la soirée. Parce que pour l'instant, je suis à 20... l'horaire, c'est 20h. Mais je pense que plutôt 21h, ça me paraît être bien. Alors, j'ai des patrons, mais j'ai pas encore fait le test. Mais c'est pour bientôt. Les tissus sont déjà choisis. Eh bien, ça va être la grande découverte. J'ai hâte de voir ça. Tu le reçois quand, ton ordi? Alors, pour l'instant, c'est annoncé une livraison entre le 9, donc c'est samedi, et lundi 11. Donc, écoutez, on verra. De toute façon, je ne peux pas accélérer les choses. Et déjà que j'ai passé ma journée à actualiser pour savoir si elle changeait d'état, là-dessus, je suis complètement tarée là-dessus. Il faut pas se forcer, il faut que ça reste un plaisir, autrement on fait mal les choses. Alors je suis absolument d'accord. Bonne soirée Nathalie, je suis absolument d'accord. Honnêtement, j'ai pas prévu au niveau des vlogs de faire pour faire. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je me dis par exemple, il y a le vlog où je ne fais que râler, ça m'a fait marrer, honnêtement. Mais je me dis que si ça devient trop redondant, s'il y a des jours, c'est pour que je vous dise que j'ai envie de rien, ou vous dire que il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Bon, ça sera pas agréable, quoi. Donc ni pour moi à tourner, ni pour moi à monter, et ni pour vous à regarder. Donc autant s'en passer. Les horaires n'ont pas d'importance pour moi, je suis toujours à la bourre pour suivre les vidéos. Oui, puis de toute façon, objectivement, les vlogs, ils restent en ligne.
Donc on peut regarder le vlog de il y a 3 jours, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Merci Sabine. En vrai, c'est assez bizarre de faire un live. Parce que j'ai l'impression de parler toute seule. Enfin, c'est. Vous savez, c'est pas. Je vois que vous êtes là, mais je vous vois pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu intriguant. Je sais pas où regarder, je sais pas. Vous voyez. Sophie découvre la technologie, attention! Faut que j'arrête de boire parce que dans 5 minutes, je vais avoir envie d'aller aux toilettes et je pourrai plus me retenir. Et en fait aussi, par rapport à ce qui est marrant, c'est que je me rends compte que YouTube, c'est une plateforme que je préfère et de loin par rapport à Instagram. Je trouve que YouTube, on a plus de place pour être qui on est. Et je trouve aussi, moi j'étais partie du principe que il y a des gens, ils sont fans de stylos. Et si vous cherchez sur YouTube, vous trouverez des vidéos qui parlent que de stylos, parce que c'est destiné aux fans de stylos. Alors je me suis dit, en fait, il y a forcément des gens à qui ça plairait pas ce que je vais poster, mais il y a forcément des gens qui aimeront bien. Et en fait, ben, c'est chouette si déjà il y a des gens qui aiment bien, en fait. Et c'est pas grave si d'autres personnes n'aiment pas. Alors, on a tous chaud cette semaine, ouais, clairement, vivement que ça passe. Quel est le meilleur rouleau cellophane pour décalquer les patrons PDF? Ben moi, du coup, je décalque jamais. Donc, avant, j'utilisais des bâches, là, les bâches transparentes. Mais je pense qu'il faut faire attention, il me semble de mémoire qu'il faut faire attention au nombre de microns. Je crois qu'il faut prendre du 80 microns de mémoire. Hein. Là, on parle d'il y a quelques années en arrière. De mémoire, il faut prendre du 80 microns pour que ce soit assez solide. J'aime ton naturel. Ben merci, c'est cool. Parce que c'est toujours un peu. C'est à double tranchant quand on se montre au naturel. Parce que. Ben déjà, moi, je sais que je dis des gros mots, des trucs comme ça. J'ai déjà vu des vidéos qui disent oui, sur YouTube, faut pas dire un seul gros mot, sinon on se fait striker. Alors, striker, ça veut dire qu'on a un avertissement sur notre vidéo. Merde, putain, brin. Des fois, ça sort, hein. On est 100 dans ton séjour. Ouais, je vois ça, franchement, c'est impressionnant, ça. Je suis impressionnée. Alors, j'adore cette expression. J'ai bien aimé ta personnalité nature-peinture. Ça me fait mourir de rire. Je crois que t'avais laissé un commentaire. Et le commentaire m'a fait mourir de rire. Ah ben merci, je suis ravie si c'est pas trop ton truc les lives et qu'aujourd'hui ça se passe bien. Pour mon tout premier. Alors, je trouve qu'Insta, ça fait très vitrine parfaite, contrairement à YouTube. Je pense aussi que Insta, il y a ce côté tout lisse, tout. Il n'y a rien qui dépasse, quoi. Et en fait, je trouve que ça déshumanise totalement. Moi, je ne me reconnais pas dans le contenu que je regarde sur Instagram. Ou en tout cas, le contenu que Instagram me propose. Tant que tu ne finances pas la ligue de foot professionnelle, tout va bien. Alors, je sais pas si Bérangère est encore là. Mais c'est une petite dédicace. Avant tes vlogs, on ne te connaissait pas. Donc en fait, il y a vraiment des gens qui m'ont découverte que par les vlogs. Bah c'est écoutez, tant mieux, ma foi. Ouais. Ah oui, me découvrir en termes de qui je suis, peut-être vraiment, le vrai moi. Ton naturel, ton franc-parler comme Audrey. Ben, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle Audrey a du succès sur YouTube. Hein. C'est le fait de ne pas être trop. De pas être fausse en fait.
On a l'impression de parler à une copine. Bah écoutez, moi quand je prends mon téléphone, j'essaye de me dire. En fait, je parle comme s'il y avait quelqu'un en face de moi à qui je raconte ma journée. Et d'ailleurs, vous savez, c'est rigolo parce que dans les vlogs, c'est plus facile de parler à la caméra quand je la tiens à la main, parce que du coup, je bouge, etc. Mais si je m'assois dans le canapé posé et que je branche la caméra devant, bah, c'est plus pareil. Vraiment plus pareil. Alors du coup, pour les personnes qui ne me connaissaient pas du tout avant les vlogs, comment vous êtes arrivé au vlog? Genre, est-ce que c'est par Emma? Parce que je pense que j'ai gagné pas mal d'abonnés grâce à Emma. Emma, Friendly Couture, hein, est-ce qu'on a besoin de la présenter? Ou tout à fait autrement? Ouais, voilà, par Emma. Friendly Couture, superstar. Donc c'est vraiment ça. Emma, bah Emma, faut qu'elle me recite dans ses vlogs, hein. Et donc il y a aussi des propositions YouTube, c'est ça, c'est cool. Et en fait c'est chouette parce que là quand j'ai commencé les vlogs, je trouve ça chouette parce que du coup il y a Emma qui est venue me parler sur Instagram et du coup pour me demander quelle caméra j'utilisais et puis je lui disais bah écoute, moi je me prends pas la tête, de toute façon on va pas se mentir. La plupart des gens dans la communauté couture n'ont pas un matériel vidéo hyper sophistiqué. Donc les gens qui regardent des podcasts couture, etc., vous n'êtes pas habitués à voir des qualités de vidéo sensationnelles. Et aujourd'hui, franchement, on va pas se mentir. J'espère que je suis pas frisée là. On va pas se mentir. Je ne sais plus ce que je disais. Ah merde! Ah! Alors si vous m'entendez encore, attendez juste, je vais basculer. Attendez, 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 attendez. Je sais pas si du coup je peux basculer sur ça. Non, pas la capture d'écran, n'importe quoi. Périphérique. Alors là, vous devriez voir la caméra, ma super qualité de webcam. Est-ce que là, c'est reparti? Est-ce que vous avez re l'image? Ok, ouais, je suis désolée, du coup vous perdez. Elle sera un peu plus pixelisée l'image. C'est pas la même qualité. Alors attendez, du coup je vais. J'aime bien, j'ai vu passer, on ne voit plus, mais on entend tes gros mots. Bah oui, alors moi, ça sort tout seul, je suis un vrai charretier. Et encore, vous m'avez jamais vu conduire. Quand je suis au volant, c'est dramatique. Mais tu vas bouger ta caisse, toi, là! Et l'accent du Nord qui ressort aussi. Ah oui, je sais ce que je disais avant que ça coupe. En fait, Emma me demandait avec quoi je filmais et je lui ai dit qu'il fallait pas qu'on se prenne la tête, qu'il fallait pas qu'on se prenne la tête et juste qu'on prenne notre téléphone. Objectivement, aujourd'hui, en 2023, même si votre téléphone c'est pas une dernière génération, moi le mien il a 2 ans, hein. C'est l'iPhone 12 Pro que j'ai, donc c'est pas le dernier sorti. Sachant que le 15 sort dans vraiment pas longtemps, donc
il y a déjà le 14, le 13, le 14, et là le 15 qui va sortir. Et honnêtement, je me suis dit qu'aujourd'hui, on a des qualités avec les téléphones, etc., où on peut se permettre de filmer vraiment, y aller, quoi. Même si, honnêtement, il y a une petite caméra qui me fait très très envie. Ça, c'est à cause des autres vlogueurs qu'on va trouver sur YouTube. Mais il y a une petite caméra qui me donne très très envie. Mais voilà, c'est pas la priorité. Parce que 500 euros, quand même. Pour un premier direct, c'est un succès. Bah écoutez, je trouve que ça se passe très bien. C'est pas ça que je voulais dire. J'avais jamais osé faire des lives parce que... Bah justement, quand je fais comme ça, là, et que je bafouille, que j'arrive plus à parler. Puis je m'étais dit, bah est-ce que je vais savoir de quoi parler? Est-ce que ça va intéresser les gens? Moi, vous savez, dans ma tête, je me pose un milliard de questions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les téléphones font bien le job, absolument. La fameuse petite caméra aimantée, mais dis donc, vous êtes vachement bien documenté. Ouais, je pense exactement à la... C'est la marque, c'est Insta360, et c'est la... ah, je ne sais plus son nom, mais c'est la 3. Et en fait, je trouve ça fantastique, parce qu'on peut se la coller partout et tout. Et j'avais vu un vlog de Casey Neistat, où il la présente, et je me suis dit, mais c'est oufissime. Mais comment ça se fait que tout le monde connaît cette petite caméra? Vous cachez bien votre jeu, en fait. Ah, mais en même temps, Claire, toi, tu fais des vidéos avec une super belle qualité. Hein, si vous connaissez pas la chaîne Des Bobines et des Fleurs, bah Claire a une chaîne YouTube. Et je pense probablement la qualité d'image était plus grande, mais aussi plus lourde. Alors je pense aussi que comme c'est du branchement et que mon ordinateur, mais vraiment ça vous l'avez compris, c'est pas la rôle, c'est pas de dernière génération, pas du tout. Donc en fait finalement j'aurais pas dû m'embêter à mettre la caméra et partir directement sur la webcam et vous aurez eu directement un meilleur son. Par contre, j'ai encore le réflexe de regarder la caméra alors que vous, maintenant, vous êtes là. Je suis un peu comme toi, être renseignée sur plein de sujets, mais dans mon cas, même sur des sujets qui potentiellement ne seront jamais vraiment utiles. Alors, vous savez, un des motifs pour lesquels j'ai fait une nuit blanche il n'y a pas si longtemps, c'est parce que j'étais dans mon lit. Et là, je me suis dit, mais pourquoi janvier, ça s'appelle janvier? Pourquoi février, ça s'appelle février? Et j'ai commencé à faire plein de recherches sur les calendriers, d'où ça vient, pourquoi les... et après, de fil en aiguille, pourquoi les étoiles, pourquoi ceci, etc., etc. Arrête, regarde cette image de ouf avec ta webcam. Ah, il est magnifique, mon ordi. C'est légèrement pas pixelisé. Après, franchement, ça pourrait être pire. Hein. Je pourrais pas avoir de webcam du tout. Mais clairement, rien que là, bon, si j'ai pas de problème de réception, tout ça, par exemple, le MacBook, j'ai vu qu'on pouvait mettre l'iPhone comme webcam. J'avoue que j'ai un pote qui s'occupe de toute la partie mise en scène et montage avec son matos de pro. Et ben franchement, la qualité, moi j'étais bluffée quand j'ai vu tes vidéos, je me suis dit, putain, c'est ouf. Ça, c'est un truc de HPI, le fait de me poser des questions, de savoir pourquoi les étoiles. Alors pour l'anecdote, cette histoire de HPI, HPE, tout ça, il y a quelques années, pour un recrutement, j'avais fait un test.
Alors, c'est pas un test de QI, mais c'est un test qui me donnait, d'un point de vue logique, dans la moyenne, mais j'étais au-dessus dans le langage. Alors, dans le langage qu'ils appellent langage, c'était aussi la compréhension du sens des mots, de comprendre les doubles sens, etc. Et là, j'étais défini comme supérieur. Et j'avais aussi émotionnel, le côté émotionnel. Maintenant, honnêtement, que je sois ça, pas ça, autre chose, je m'en fiche. Je m'en fiche royalement. Alors du coup, il y a aussi Bérangère qui m'a ramené du monde. Mais oui, voilà, allez tous voir la chaîne de Claire. Surtout qu'en plus, alors Claire, j'espère que tu m'en voudras pas de dire ça, mais on reproche souvent le manque de représentation des grandes tailles. Ben écoutez, si vous voulez voir comment des patrons de toutes marques confondues tombent sur une taille haute qu'un 36, ben allez voir chez Claire. D'ailleurs, c'est marrant, je trouve que il y a beaucoup, on voit plus facilement des personnes grande taille sur YouTube que sur Instagram. Après, honnêtement, je ne sais même pas depuis combien de temps je parle. Bah, dites-moi si vous voulez qu'on parle d'autre chose. En vrai, comme j'ai que la fenêtre OBS... Alors, OBS, c'est un logiciel de streaming. À la base, moi, je l'avais pris parce qu'on peut filmer son écran avec. Mais je me dis... en fait, si ça se trouve, là, on n'est plus que trois. Et je parle toute seule. Alors, hello, je viens d'arriver. Tu vas lancer de nouveaux patrons. Oui, je travaille dessus. Mais je n'avance pas vite. J'avoue que là, j'ai eu ma petite lubie vlog. Donc c'est passé un petit peu en priorité sur le reste. Par contre, ah oui, on est encore 100, mais c'est fantastique. Et franchement, c'est ouf. Je m'en remets pas. Alors, bah des chaînes YouTube grande taille, on a aussi Vanessa. Vanessa qui, en plus, elle parle aussi des... Donc, les malices de Vanessa, qui, en même temps, elle coud aussi pour ses enfants. On a... attendez, je vais sur mon... Bah, vous savez quoi? Je me fais une petite note dans ma tête et je vous ferai un listing des chaînes dans le prochain vlog. Alors, ouais, ce à quoi je pensais, par ordre alphabétique, hein. Oui, c'est ça. ce à quoi je pensais. Oui, alors honnêtement, le fait de faire ces vlogs, ça me rappelle à quel point... Ça me rappelle la place du débutant, en fait. Moi, le montage, je savais pas faire, tout ça. Et je me rends compte que du coup, c'est un peu comme la couture. C'est-à-dire que là, le fait d'en faire tous les jours, ben, j'apprends beaucoup plus vite que si je faisais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Donc j'aime bien le fait que ça me remette dans une place de débutant. Et en fait, objectivement, j'avais besoin d'une autre activité autre que la couture. J'ai besoin de faire autre chose que de la couture, parce que sinon, au bout d'un moment, la couture, je vais craquer, je vais plus avoir envie, en fait. Je me connecte, bonsoir Sophie. Eh bien, je te dis bonsoir Sophie, vu que tu t'appelles Sophie également. «
un listing de mes chaînes favorites. Alors, le truc, c'est que je vais être très très honnête, je regarde pas beaucoup de contenu couture. Et le pire, c'est que les raisons pour lesquelles je ne regarde pas le contenu couture, je me rends compte que j'ai tendance à faire exactement la même chose dans mes vidéos. Donc... Mais je vous mettrai quand même les chaînes que je regarde, parce qu'il y en a quand même. Celles que je mets sur ma télé quand je couds. Oui, absolument, il y a Coûté Rêve aussi. Qui d'ailleurs a lancé sa marque aussi de patron, mais elle, pour le coup, spécifique aux grandes tailles. Alors dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose? Oui, À cœur la couture aussi. Et il y a... Alors, elle commente mes vidéos. Là, j'ai pas vu son pseudo passé. C'est Ananas en boîte, je crois. Ça fait vraiment pas longtemps qu'elle a lancé sa chaîne. Vraiment, je crois qu'il y a 3 vidéos sur sa chaîne. Voilà, Ananas en boîte. Donc c'est bien ça, c'est Ananas en boîte. Ananas ou Anana? Alors, dans les indices pour les prochains patrons, pantalon. Attendez. Ah, punaise, j'étais assise en tailleur. Très très mauvaise idée. Attendez, bougez pas. Je vous quitte 3 secondes et demie. Est-ce qu'on verra quelque chose? Je ne pense pas. Voilà. Ça, c'est du teasing. Enfin, que dalle. Alors. Alors, quelle série est-ce que je regarde actuellement? Eh bien, je vais au risque de vous surprendre. Rien. Rien du tout. Alors, si, je regarde La Roue du Temps, mais le truc, c'est que là, je suis tellement... J'ai tellement été omnibulée par cette histoire d'ordinateur qu'en fait, j'arrivais pas à me concentrer sur l'épisode et je partais sur des vidéos YouTube pour lire plein de trucs, pour, voilà, pour regarder. Mais oui, voilà, je la vois dans tes vlogs, cette chemise. Mais oui, quand je vous dis que un futur patron apparaît dans tous les vlogs depuis le début, je mens pas. Hein. Parce que là, je viens de le retirer du mannequin pour la première fois en 3 mois. Où trouves-tu tes inspirations? Alors moi, il y a des marques que j'aime bien. Déjà, faut savoir que... Moi, j'aime bien le confort. J'aime pas trop... J'aime bien être dans le confort. Donc ça, c'est surtout le patronage. Il y a une marque que j'adore, que j'adore, que j'adore. Alors, vraiment, ce sera de l'inspiration parce que ce serait trop foufou pour des patrons. Mais c'est Ulla Johnson. Ulla comme 3615 Ulla. Ah, mais je peux écrire, moi. Alors... J'ai un doute pour le Johnson. Je sais pas s'il y a un... Je ne sais pas s'il y a un H quelque part. Mais si vous tapez ça, vous tomberez sur la marque. Et j'aime beaucoup la marque Farm Rio. Parce que ça a plein de peps, de couleurs. Exceptionnellement, ces patrons auront des noms de composants informatiques. Ça, je les appelais carte mère. Prochain patron, RTX. pour ceux à qui ça parle. Ah voilà, donc il y a bien un H, Ulla Johnson.
Et sinon, après, c'est plus des envies. Hyper c'est ce que je porte un RTX, grave. Ah ouais, j'imagine trop. Alors, je vais faire une collection, je vais faire Intel, Ryzen. Et sinon, niveau inspiration, des fois, ça m'arrive aussi. Alors, c'est pas bien, mais j'ai déjà pris en photo des gens dans la rue. Parce que je trouve qu'ils avaient parce qu'ils avaient une belle encolure, ou que j'aimais bien un détail. Donc j'ai déjà pris des gens en photo dans la rue. Après, j'essaye aussi un minimum de pas être dans l'extravagance. Moi, je suis pas trop Cézanne et compagnie, même si c'est ça la grande tendance. Enfin, c'est pas que. Ouais, Farm Rio, ils ont fait une collab avec Cézanne. Mais Farm Rio, ils ont des. C'est juste que leur motif. Si on pouvait acheter le tissu Farm Rio, mais moi je serais aux anges. Le tissu, ça me donne trop envie. Mais bon, ils vendent des fringues. Pas du tissu. Mais c'est vrai que le problème, c'est que dans le domaine de la couture, quand même, la rentabilité se joue quand même au nombre de ventes. Parce que bien sûr que des patrons, étant donné que c'est une dizaine d'euros, on peut pas être trop pointu sur. Enfin, on a besoin d'aller quand même vers ce que la majorité de personnes veut. Et il faut reconnaître que la grande tendance, ça reste Cézanne. Enfin, les marques comme Cézanne, Sage, etc., etc. Alors, c'est A-A-N-A-N-A-S en boîte. Alors, je m'embête pas avec les accents. Puis comme ça, je mettrais comme. En même temps, ça pourrait être un super slogan pour une. Genre, faudrait sortir une collection complète et dire sexy en SSD, voyez, ce genre de choses. Alors, pour moi, Cézanne, c'est surcoté. Je pense surtout que Cézanne, c'est les rois du marketing, en fait. Parce que moi, j'arrive. Enfin, en fait, j'ai beaucoup de mal avec Cézanne. Alors, c'est très beau à regarder, les photos sont très belles, etc. Les mannequins sont magnifiques. Mais il y a quand même ce côté. Il y a beaucoup, par exemple, les chemises. Si vous allez voir sur le site de Cézanne, la plupart des chemises, elles sont tout le temps ouvertes jusqu'au nombril. Il y a ce côté très parisienne, dans le fantasme de la parisienne. Et puis surtout. Elles sont où les photos pour voir la chemise de dos sur le côté? Ça vend pas des fringues, ça vend une image en fait. Et c'est à ça que les gens ils sont. C'est à ça que les gens ils sont accros en fait, c'est à l'image que ça renvoie. Bonne soirée Thérèse. Jolie photo mais surfait. Bah clairement c'est une esthétique, hein. Enfin c'est. Bon, c'est hyper esthétique. Et après, il ne faut pas oublier quand même que l'être humain, c'est un être social. C'est énormément utilisé en marketing, le côté social. Il y a même ce qu'on appelle, par exemple, Apple. Apple, on appelle ça du marketing de tribu. Parce que en gros, on fait partie de la tribu Apple. Et c'est pour ça qu'il y a des petites guéguerres, etc. Et c'est purement du marketing qui joue sur le fait que l'être humain est un être social. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui assument d'aller à contre-courant. Quand je regarde un catalogue de fringues, je cherche toujours le dos et la photo technique. Mais moi, c'est pareil. Des fois, je me dis, mais ça ressemble à quoi de dos? C'est ça, Maslow, c'est exactement ça, c'est la pyramide de Maslow, les besoins primaires, et dans les besoins primaires, il y a le besoin d'appartenance, il me semble.
C'est comme Fibre Mood. Bon, oui, peut-être qu'on peut peut-être dire que Fibre Mood, c'est le Cézanne de. Le Cézanne de la couture. Après, là, ils ont eu un petit bad buzz, hein, parce que il me semble que le magazine il a augmenté niveau prix. Moi, ça n'étonnera personne si je vous dis que je n'achète pas de patron. Après, bon, objectivement, ben, il en faut pour tous les goûts. Le truc, c'est que si les gens, c'est important, si les gens, c'est important pour eux, ben, d'avoir du Cézanne, parce que c'est une preuve sociale, parce que c'est tout ce que vous voulez, ben, si ça leur fait du bien, ben, tant mieux. Je veux dire, c'est un peu comparable aux voitures, les gens qui vont s'acheter telle voiture, les gens qui vont s'acheter des iPhones à tout prix, parce que c'est iPhone. Etc. etc. Avant que je fasse mes vêtements, combien de fois je me suis énervée car les vêtements étaient beaux et colorés devant et noirs derrière. Alors ça, j'ai beaucoup eu le tour. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vêtements avant qui étaient fantaisie devant et qui étaient noirs unis derrière. Sans intérêt, quoi. C'est comme le fameux sun case en marketing. Alors ça, je ne connais pas. Moi, j'aime certaines pièces Cézanne, mais parce que la pièce est simple, mais mise en valeur par un tissu. Alors là-dessus, en fait, c'est justement ça que j'arrive pas à comprendre à quel point on est Cézanne-like, Cézanne-like. Parce qu'en fait, Cézanne, si on regarde, ils sortent quasiment la même chemise tous les ans, c'est juste qu'ils changent le motif. Et au bout d'un moment, une créatrice de patron, elle va pas. Ça, c'est le désavantage qu'on a en couture, c'est que si demain je fais une chemise basique, ben j'aurais fait mon modèle de chemise basique. Alors, personnellement, j'apprécie Fibre Mood parce que j'ai un ventre énorme et les patrons me permettent de coudre des vêtements modernes. Ah, bah, c'est clair que c'est un point fort de chez Fibre Mood. Et il paraît que ça taille quand même bien. Un peu grand. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un chat qui était en train de courir. Qu'est-ce que t'as vu? Ah. Il y a un chat qui a vu une mouche. Alors si ça fait du bruit, c'est une mouche. J'arrive que maintenant, désolé, mais il n'y a pas de souci, il n'est jamais trop tard. Je n'aime pas suivre la mode et je veux des vêtements qui me plaisent. Bah, je pense que c'est important pour tout le monde. Et je pense aussi, c'est assez paradoxal, mais je pense qu'en vieillissant, on prend beaucoup plus de recul sur les vêtements, tout ça. Bon, on a moins besoin de suivre le moule. 22h, l'heure de la folie, ah, c'est ça, là, on va partir sur le 15 minutes de folie. Est-ce que vous voulez qu'on aborde un autre sujet? Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, environnemental, c'est le levier que tu dis. Oui, voilà, c'est ça, le marketing, en fait, faut trouver le point d'accroche. Et moi, je suis très nulle en marketing. En fait, le truc, c'est que le marketing, ça a peu de. Ça marche pas très bien sur moi. Je suis pas trop sensible, en fait, aux appels à l'action, faut agir maintenant. Enfin, je suis pas sensible. Donc je me dis toujours que les gens sont pas sensibles au marketing, alors que si, en fait. Et je dis que je suis pas sensible, mais en fait, ça se trouve, j'y suis sensible, et c'est juste que je m'en rends pas compte.
Bah, de toute façon, on n'achète pas tous un produit pour les mêmes raisons. Certains vont acheter une voiture parce qu'elle est écolo, d'autres parce qu'ils peuvent crâner avec, etc. C'est absolument ça. Il faut cerner le client pour savoir sa motivation. Mais on n'arrête pas d'aborder d'autres sujets. Ah oui, on peut switcher. Ah, si, bah si, j'allais parler du CSF. Quand j'étais au CSF, généralement, je finis toujours par manger avec des gens le soir. Et y a une soirée où on était à table. Et les filles, elles me l'ont dit, elles m'ont dit, mais comment tu fais pour passer d'un sujet à un autre tout le temps comme ça? Bah, je dis, bah, moi j'ai l'habitude, en fait, je suis comme ça. Et d'ailleurs, qui va au CSF cette année? Le CSF, ça doit être en novembre. Généralement, c'est des fois ça peut déborder. Ah, mais peut-être que je serai. Ah, j'espère que c'est pas en décembre. Création CSF. Savoir-faire 2023. Du 29 novembre au 3 décembre. Ah ben, je serai à moitié pas là. Je vais en Alsace. Je crois que. Attendez. Ah mais oui, moi je pars en Alsace le 2. Je pars en Alsace le 2 décembre. Mais oui, c'est vrai, t'étais venu chez moi. Et Aïcha, t'as vu, depuis j'ai arrêté de fumer. Alors, pourquoi je vais en Alsace? Parce qu'on aime bien partir, on aime bien à cette période-là aller à Center Parks, les Trois Forêts, et on y va toujours à la période de décembre. Comme ça, on profite marché de Noël de Strasbourg principalement. L'année dernière, il neigeait tellement qu'on n'a jamais pu aller à Colmar. Donc, on ira à Colmar cette année. Alors moi, pour le coup, le CSF, c'est à 15 minutes de chez moi. C'est vraiment à côté. Ah mais franchement, la cigarette électronique, c'est trop bien. D'ailleurs, là, c'est un détail, mais en fait, j'avais pas prévu de craquer pour l'ordinateur. En fait, comme j'ai jamais eu de Mac de ma vie, je me dis que quand même, le prix d'un Mac, ça fait cher le test, quoi. Et je suis tombée sur un site qui propose en fait de payer tous les mois. Au bout de 2 ans, on peut soit renvoyer et échanger avec et relancer avec un ordinateur plus récent. Où on peut, au bout de 2 ans, continuer à payer et à la troisième année, en fait, l'ordinateur nous appartient. Et du coup, je me suis dit, mais je vais faire ça et je vais mettre moins que mon budget cigarette avant. Parce qu'au final, ça reste 150 euros de moins que ce que je mettais dans les cigarettes avant. Ouais, c'est ça, c'est le même principe que pour les voitures en leasing. Et ça se fait pour les téléphones, pour tout ça. C'est sympa pour les gens qui veulent. C'est sympa pour les gens qui veulent tester ou qui veulent toujours avoir le dernier cri. Et sachant que sur le site, il y a aussi des occasions. Parce que moi, j'ai pas pris un. Le MacBook que j'ai pris là. Sur la version M2, donc en fait il y a deux puces chez Mac qui sont sorties dernièrement, la puce M1 et qui était suivie par la puce M2.
Et donc en fait, moi j'ai pas pris la puce M2, mais en gros, j'ai pris le même modèle que le plus haut de gamme, mais de l'année dernière. Ce que je viens de dire, ça n'a aucun sens. C'est complètement... En gros, là actuellement, le MacBook Pro Max M2 avec configuration de base, c'est-à-dire 1 Tera de stockage et 32 Go de RAM, il est à plus de 4000 euros. Et moi, en prenant la version de juste avant, donc la puce M1, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était de tester les pubs M1, M2, quoi. Donc je vais tester la pub M1. Là, j'ai pris le MacBook Pro Max M1, 32 Go, enfin, truc de base, 32 Go et 1 Tera. Mais du coup, pas à 4000 euros, quoi. Alors le nom, c'est Pixmania. Et en fait, l'avantage, je vous dis, c'est qu'il y a aussi des occasions, et les occasions, elles sont garanties 1 an. Alors maintenant, déjà, avant que là, je suis en train de m'enflammer alors que je ne l'ai pas encore reçu. Oui, absolument. Du coup, j'ai craqué pour un Mac. En fait, tout simplement parce que. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. Tout simplement parce que, en gros, c'est parti. Il y a 3 ans, j'ai acheté un iPad. Ensuite. Je suis passé à l'iPhone il y a 2 ans et je peux que reconnaître que l'écosystème, la liaison entre iPhone, iPad, c'est juste dingue en fait. Enfin, l'écosystème il est dingue et je me dis que si j'ajoute l'ordinateur dans l'écosystème, ça peut avoir de gros avantages. Et surtout, j'ai quand même beaucoup réfléchi au niveau de la tour et je me rends compte que d'avoir un ordinateur qui soit portable. C'est important pour moi, sachant que les MacBooks, on peut tout à fait les transformer en station de travail. Alors c'est sûr que franchement, c'est cher, etc. Mais enfin bref, vous vous doutez bien que je vous en reparlerai le jour où je vais le recevoir. Donc voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont. J'ai toujours pas les. J'ai toujours plus les chiffres. Est-ce que vous voulez qu'on aborde d'autres sujets? Ou vous voulez qu'on s'arrête ici? Bonne soirée Vanessa. À 104 toujours. Ok, moi je pensais qu'on avait beaucoup baissé. Le CSF, c'est le salon création et savoir-faire. C'est comme tout, la qualité a un prix. Alors, honnêtement, il y a aussi certains points de Mac que je veux tester, parce qu'ils sont quand même ultra réputés pour... comment ça s'appelle? Pour leur batterie, tout ça. Donc je me suis dit... Donc voilà. Je vois déjà le titre du vlog, il est arrivé. Alors moi je pensais plutôt un titre genre j'ai craqué mon slip ou un truc du genre. Déjà je m'étais dit, je ne leur dis pas que j'ai acheté un ordinateur. Elles le verront en temps voulu. Je sais pas garder les secrets moi. Vous savez, c'est comme rendre des services. C'est plus fort que moi quand des fois des gens ils ont des problèmes techniques sur un sujet. Si moi je peux répondre, des fois je me dis non, j'arrête de répondre, je les aide pas parce que j'ai pas le temps, il faut que. Enfin, j'ai pas le temps de les aider. Et puis en fait, 5 minutes après, alors, tu cliques là, tu fais ci, tu fais ça, c'est plus fort que moi, c'est dingue. Est-ce que je pense me mettre à la projection pour moi, c'est-à-dire moi installer un projecteur pour faire la projection de patron? Honnêtement, pas du tout. La projection, ça m'attire pas du tout, du tout, du tout.
Alors je pense qu'un truc aussi que j'ai envie de tester sur Marc. Sur Marc. Qui es-tu, Marc? Non, sous Mac, il paraît que là c'est plus stable comme système. Donc écoutez, on verra. Honnêtement, les points qui me font peur, c'est la correspondance des logiciels. Ben, c'est même pas le complexe du Saint-Bernard, parce que je le fais même pas dans le but d'aider. C'est juste, c'est vraiment le côté. Ah, bah attends, je sais, je vais t'expliquer si t'as besoin. Et après, je suis énervée parce que les gens ils disent pas merci. Ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Alors, si j'arrive à le mettre en replay, je pense que oui. Mais de toute façon, écoutez, je sais pas quelle heure. Comme je dis dans les vlogs, je ne sais pas quelle heure qu'il est. Finaise, qu'est-ce que ça m'a tué, ça? Écoutez, il est 22h15. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en dites? What do you think? Après, chez Mac aussi, je ne vais pas mentir, ce qui me tente aussi, c'est que c'est énormément utilisé dans les métiers créatifs. Il paraît que la suite Adobe, donc la suite que j'utilise principalement, la suite Adobe, elle est hyper réputée sur Mac. Donc moi, comme c'est ce que j'utilise, ben on verra bien. Est-ce que Valentina fonctionne sur Mac? Techniquement, oui, il y a une version. Alors demain, il n'y aura pas de vlog, parce que j'ai pas filmé aujourd'hui. J'étais en mode laissez-moi mourir par ces 35 degrés là. Donc voilà. Alors j'espère que j'aurai l'option, quand je vais arrêter, que YouTube va me proposer eh bien, de mettre en replay. Je n'ai pas trouvé l'application. Quelle application? Je n'ai pas trouvé l'application. Quelle application n'a pas été... Valentina, c'est faut taper sur Google, faut taper Valentina Smart Pattern. Par contre, Valentina, c'est un logiciel, pas une application. Donc tout ce qui est iPad, téléphone, ça ne marchera pas. Bah écoutez, merci à toutes d'être venues ce soir. Franchement, c'était top. Moi, je pensais qu'on allait être un petit comité de 10 personnes, donc c'est vraiment génial. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, ben, écoutez, je retenterai l'expérience, et puis comme ça, on pourra faire la comparaison des webcams, hein. En tout cas, merci beaucoup. Écoutez, je m'arrête ici, et bien, je vous dis techniquement, donc pas à demain. Mais à après-demain, si tout va bien, eh bien, pour un nouveau vlog. Salut, salut! Bisous! Je suis en train de... Je vais craquer. Bonne nuit tout le monde! Salut, salut! Bisous! J'appuie sur le bouton!